C'est au grand portail de la cathédrale que les chanoines du chapitre cathédrale accueillent Monseigneur Delannoy, leur nouvel évêque. Comme le veut la tradition, il est invité à vénérer la croix avant d'asperger d'eau bénite toutes les personnes présentes. Conduit par les chanoines, il se dirige ensuite vers la chapelle Saint-Laurent pour un temps de recueillement. Quelques minutes plus tard, la grande procession solennelle contourne la place du château. 25 évêques accompagnent Monseigneur Delannoy, parmi lesquels le cardinal Aveline, archevêque de Marseille, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, et de Monseigneur Migliore, représentant du pape. La célébration commence par la lecture de la lettre officielle de nomination signée du pape François. Monseigneur Delannoy a présenté hier au chapitre cathédrale une lettre du siège apostolique le désignant à la charge d'archevêque de Strasbourg. Veuillez nous la présenter et qu'on fasse la lecture de sa traduction en français. Comme le veut la tradition, la bulle du pape est présentée à toute l'assemblée pour attester de son authenticité. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au vénérable frère Pascal Delannoy, jusqu'alors évêque de Saint-Denis en France, nommé archevêque de Strasbourg, salutations et bénédictions. Nous avons pensé à toi, vénérable frère, dans la mesure où tu accomplis déjà tes tâches épiscopales avec une abondance de diligence, de prudence et de doctrine. Par conséquent, ayant été exercées les prérogatives qui appartiennent au président de la République française, en vertu des articles 4 et 5 du Concordat du 15 juillet 1801, encore en vigueur dans les régions d'Alsace et de Lorraine, en vertu de notre autorité apostolique, ton lien avec le diocèse de Saint-Denis en France ayant été dénoué, nous te nommons et te constituons archevêque de Strasbourg avec tous les droits, facultés et offices qui y sont attachés selon de droit. Donné à Rome au Latran le 26 octobre de l'année du Seigneur 2023, la 11e de notre pontificat. François. Concordat oblige, vient ensuite la lecture du décret du président de la République. Par décret du président de la République, en date du 7 février 2024, le Conseil d'État, section de l'Intérieur, entendu, la bulle donnée à Rome le 26 octobre 2023, par sa sainteté le pape François, est reçu, en tant qu'elle confère l'investiture canonique à Monseigneur Pascal Delannoy en qualité d'archevêque de Strasbourg. La bulle du pape ayant été lue, ainsi que le décret présidentiel, Monseigneur Delannoy gravit les marches du chœur de sa cathédrale et est invité à s'asseoir sur sa cathèdre. Laudate Domino, omnes
La célébration se poursuit ensuite comme une messe ordinaire présidée par Monseigneur Delannoy. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Vient ensuite le moment des remerciements. Un immense merci enfin à vous, diocésains de Strasbourg, laïcs, diacres, prêtres, consacrés, qui m'accueillez si chaleureusement. Je compte sur vous pour m'aider à découvrir notre beau et grand diocèse. Je compte sur vous pour que l'Évangile y soit encore et toujours annoncé. Je confie ma mission à votre prière et à l'intercession de saint Arbogast, patron du diocèse, et à l'intercession de saint Odile, patronne de l'Alsace. Ensemble, avançons dans la foi, la confiance et la joie. Comme s'il ne voulait pas quitter sa cathédrale et le peuple de Dieu qui lui est confié, le nouvel archevêque se laisse aller à un long bain de foule. On a accompagné son départ, on a accompagné toutes ces années où il était là, et on est là avec lui pour lui dire au revoir, pour l'encourager chez vous. On est aussi content qu'il soit chez vous, même si on l'aurait bien gardé encore un peu. Monseigneur Delannoy, il m'a l'air très humble, et très proche des gens, donc je pense qu'on aura un bon évêque, un bon archevêque. On est heureux pour le peuple de Dieu de Strasbourg, qu'ils héritent du père Pascal, qui est un bon pasteur et qui fera un travail extraordinaire ici à Strasbourg, j'en suis certaine. C'est dans toute l'Alsace que le 107e évêque de Strasbourg est désormais attendu dans les mois à venir.